Espace, frontière de l'infini vers laquelle nous voguons, et on fait sans cesse des rencontres, et tout ce qu'on aime faire, c'est les éradiquer. Oui, bienvenue dans l'univers monstrueux des shmups. Et on va affronter aujourd'hui une nouveauté, puisqu'on a un Cider Reloaded qui pointe le bout de son nez. Et je ne connais pas du tout ce jeu, et mon nez, je vais mettre dedans. Ce qu'il faut savoir de Cider, c'est que c'est un shooter, certes, horizontal, certes, bidirectionnel, on dirait multidirectionnel, ça marche aussi, mais on peut pas aller en haut en bas, pas vraiment quoi. Et sa particularité, c'est qu'il est très énervé, il essaye de vous balancer des patterns un petit peu à la Danmaku, dans un jeu qui, à la base, reprend le gameplay du bon vieux Defender des années 1980. Alors forcément, curiosité aidant, on est obligé d'aller mettre ce fameux nez dedans. Alors, une ribambelle de vaisseaux est à votre disposition. Regardons un peu voir. Vitesse, arme. Ok, et arme spéciale. Le trou gravitationnel. Et puis, on en a d'autres qu'il va falloir déverrouiller. Il est beau celui-là. Vous me connaissez. Moi, quand j'ai un tir en spread, je suis content. Et en plus, il est easy. C'est ce qu'il me faut, parce que je sais vraiment pas ce qui m'attend. Alors, un bouton pour le tir. On a les deux boutons à côté pour changer de direction, il me semble. Et il doit y avoir encore un bouton pour the famous tear of the death in the killing mood of the renard qui pue. Donc là, je suis en mode survival. En haut, on a la barre à la Defender. Ça fait très old school, hein. C'est très rigolo. Je peux changer de sens. Non. Oui. Oui, on me dit oui dans l'oreillette. Et on va essayer d'éradiquer. Il y a quand même des bonus, hein, ils ont menti. Ah, c'est des points surtout. Alors pour l'instant ça va bien, j'ai qu'une vague dans un sens. Ah, ça commence à larguer des missiles. Et le problème c'est que je vais avoir des vagues dans l'autre sens aussi. Et quand ça va se mélanger tout ce petit monde. Ah, ça c'était moche. Oh, ça c'est encore plus moche, regardez. Je tire que dans un sens, mais non, regardez. C'est très bizarre. Alors j'ai jamais été très bon au Defender déjà d'une. Et du coup quand je me retrouve là-dedans, j'ai mal. J'ai un peu beaucoup mal quoi. C'est spécial. Alors avec le fond qui scrolle pas vraiment vu qu'on est dans l'espace, c'est encore plus spécial. Ah purée. Et comme je vous l'avais dit, hein, promesse tenue, et le gars essaye de reprendre des patterns un petit peu la Danmaku, histoire de vous dire, t'as envie de saigner? Allez, on y va. Oh. Je prends cher. Je prends super cher. Je me sens pas bien, pas à l'aise dans ce genre de gameplay, quoi. Alors, ce qui me dérange le plus, pour être vraiment honnête, hein, c'est pas les ennemis. C'est ce scrolling qui fait qu'on sait jamais si on est vraiment en marche avant ou en marche arrière. Je sais pas ce que c'est le truc. Hop. Alors il y a du décor maintenant. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Plus jamais je tire là-dedans, regardez les patterns que ça envoie. C'est pas normal. Il devrait avoir un permis pour ça. Oh, la musique est très old school, c'est très rigolo. On sortirait presque... Ah, le tracker sur Amiga. Quand ça pète, ça, c'est le bordel. Je pense qu'il y a des trucs qu'il vaut mieux pas tirer dedans, à la limite, en plein combat. Oh, qu'il n'est pas content, lui. Oui. Oh, oui. Bon, je vais voir si je peux aller dans ce truc, là. De côté. Non, l'autre. L'autre côté. C'est quoi, ça? Regarde, tu peux y aller, là. On y va. Moi, je suis curieux. Je suis là pour apprendre. Ça continue d'arriver par l'arrière. Ouh là là. Et puis ils sont pas contents, regardez. Et ça réapparaît ces trucs là, donc j'y aille très vite. Faut se décider en fait. C'est un jeu, faut vraiment se décider. Lui il largue des mines. Mais non, tu ne fais pas ça. Oh, avec la musique techno sérieux de Soundtracker quoi. Je me casse, c'était trop dangereux ici. Tu es à la limite du tableau, tu ferais mieux de revenir. Il y a plein de méchants. Elle est où ma super bombe? J'ai toujours pas trouvé ma super bombe, ça y est. Le problème a été résolu.
Résolvé, résolvationné, je sais pas, je passe n'importe comment là. Il faut une autre partie. Il faut une autre partie là, c'est trop dangereux. Yes. Cider Reloaded, deuxième. Je garde le même vaisseau. En imaginant avoir vraiment plus de chance ce coup-ci. Objectif, on va aller tout à gauche. Je vais aller tout à droite. Je pense que tout à gauche, je vais avoir la même chose. Hein. Mais avant de rentrer dedans, je vais me méfier un peu. Change de côté. Oui, je sais, t'en as un qui vient là, mais on peut y aller en marche arrière, voilà. Bon, on va s'en débarrasser quand même. Avant que ça ait l'idée de me saccager l'écran. Bon, la bonne nouvelle, il y a un auto-fire. Parce que depuis tout à l'heure, moi, je pianotais comme un taré. Et ça sert à rien! Les mines, on a dit, il fallait pas tirer dedans, je crois, non? Un truc comme ça, dans le genre. J'ai entendu un mec qui en a parlé tout à l'heure. Je me rappelle plus bien son nom, ça commençait par un K. Ah non. Alors, je pense que tous les bonus que je récupère, ça va être des bonus pour remonter ma jauge de santé. Parce que c'est un peu par miracle tout à l'heure que j'ai abouti jusqu'à cet endroit, que j'irai pas là. Et non, j'y vais pas. J'ai changé d'avis. Il y a quand même des bonus d'armes. Contrairement à ce qui était dit. En plus là j'ai un espèce de tir secondaire qui fait des locks. Qui m'aide bien. Un bon assistant comme on les aime. Allez on y va, on va faire un carnage. Oula. D'accord, donc l'arme spéciale en fait elle est pas dans une quantité définie. Elle est surtout... avec un délai de recharge qui doit varier selon ce que vous flinguez, je présume. Ouh, il y a des accélérations là chez les énervés. Time laser. Un laser temporel, tu voulais dire. Lodge. Eux, je veux pas en fait qu'ils arrivent quand je suis à l'intérieur du truc là, à gauche. Ça va être un carnage tout simplement. Aïe. Je l'ai pris celui-là. On y va. Je suis chaud là. Je suis chaud comme une betterave. Des betteraves qu'on prend bon. Non. Oh la zig, sérieux. Terrible. Qu'est-ce que je fais une fois que je suis là? J'arrive au bord du tableau, c'est bon? Je peux partir? C'est bon? Bim. Boum. End of mission. Bon, on va aller se faire le end of mission parce qu'après. Ah non. Bon, je rebondis. Ok, j'ai récupéré mon bonus là quand même, histoire de pas être venu pour rien. Oh la vache. Avance, 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 avance. Ouh là 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 là. Ça commence à devenir chaud d'arrêt les amis, ou c'est moi? Là, je vais mourir, là, je vais mourir, je vais mourir. C'est it's not possible, I can't handle this. Vous l'entendez, le rire hystérique? Oui, le fameux rire hystérique. La vitesse de tir, les gars. Je crois que ça va être tout pour ce Cider Reloaded. Vous avez bien pigé qu'en fait le jeu reprend le concept bête comme chou du Defender, mais le remet sauce 2020. Et c'est pas mal du tout, parce que... des instants de répit, je sais pas si vous avez remarqué, j'en ai pas trop eu. Comment ça j'ai fait un échec? C'est un demi-succès moi je dis. Regardez tout ce que j'ai déverrouillé. Comme quoi, le bon vieux gameplay Defender en 2020, ça fonctionne toujours si on l'aménage correctement. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles, la généraliste, celle des shmup. Oui, forcément, vous l'adorerez, celle des shmup. Et regardez, oh, un bouton d'abonnement, truc de ouf. Ciao.